C'est marrant. Viens manger ton gruau et cuit. Juste comme tu l'aimes. Viens. Sinon, il va venir pâteux. J'ai pas faim. Ça fait rien. Viens manger quand même. Faut manger pour vivre. J'ai pas envie de vivre. Tout! Voyons, voyons. Faut jamais parler de même. Viens t'asseoir. Clément, je joue pas avec ma patience. Arrive! Tu le sais que s'il y a de quoi que jaillit, c'est d'avoir à laver une chaudronne avec du soupane de coller au fond. As-tu des raisins secs? La cassonade ou bien du sirop d'érable? Un petit peu des deux. Puis un petit peu de belle grosse crème. Pas trop, parce que Pacifique, il dit que ça serait mieux que t'en manges pas pâte. Pacifique, je veux plus n'entendre parler! Je te défends de prononcer son nom dans ma maison! T'as-tu compris, Zenone? J'ai bien compris. J'ai même compris plus que tu penses. Ce que j'ai compris, Clément Veilleux, c'est que ta maison, c'est pas la mienne! Oui. Sinon, tu me laisserais libre de parler dans ma maison si ta maison était la mienne aussi. Ben voyons. Bon, s'il y a de la soupape de coller au fond de la chaudronne, tu feras le frottage parce que moi, Zenone Veilleux, je m'en mêle. Hey, wow, 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 wow! C'est que tu vas comme ça. Voir monsieur le curé, puis il demande des conseils. Curé, il n'a rien là-dedans. D'abord, il comprendrait pas. Premièrement, il n'y a pas d'enfant. Deuxièmement, il n'y a pas de fille, encore bien moins. Limeuse. Attends que je mette la main dessus. Elle va en manger toute une. Elle se contente pas de défier son père. Faut qu'elle joigne l'insulte au manque de respect. Que j'ai pas l'occasion de mettre une crotte entre Flavie puis son père flamand, je me gênerai pas. En beau prendre des airs de Sainte-Nitouche, une fille de son âge à manger comme elle est, c'est quand même pas une statue de plante. Allô, boucherie Veilleux? Ah, c'est toi, Maureen? Oui. Oui, oui, tout va très bien. Aglaé, ben oui, si ça te dérange pas, puis que ça lui fait plaisir, ben moi, je trouve que c'est une bonne idée. Après tout, si ta fille puis la mienne s'entendent bien, hein, pourquoi pas? La vie en plein air, c'est de santé. Clément, oui, eh bien. Clément, il te fait dire, Maureen Bellavance, que si toi et ton mari, vous arrêtez pas de monter la fille, la tête de ma fille contre moi, Clément, son père, lui, Clément, il va prendre les moyens qu'il faut pour que sa fille rentre au foyer familial, de gré ou de force. Puis c'est pas ton verre de terre de garçon, Vincent Bellavance, qui va m'empêcher de faire ce que je veux faire. À raccrocher? La sainte épouvante? Faut-il être de mauvaise foi? Zenone, faut se rouvrir les yeux. Les Bellavance sont virés bolcheviques. Faut faire de quoi? Mon pauvre Clément, es-tu bien sûr que tu raisonnes d'aplomb? Me semble que tu te fais des inventions puis des peurs. Tu travailles trop. Tu devrais lâcher ça, tes chemises bleues, pour un petit bout de temps, en tout cas. Passer une semaine au bord d'un lac à pêcher à la truite, ça te changerait les idées. Puis, ben, je sais pas, je dis pas que j'aimerais pas ça, moi, tout. Mais j'ai pas le temps de prendre des vacances, là. Faut que j'aille à Toronto. Adrien m'a invité. À Toronto, pour quoi faire? Un congrès. Pour faire l'union des fascistes de tout le Canada. Aussi bien ceux du Québec que de l'Ouest que ceux des Maritimes et puis de l'Ontario. Faut se préparer à prendre le pouvoir. C'est que tu t'en vas comme ça? T'as même pas déjeuné? Voir le curé. Après tout, c'est lui qui est le mieux placé pour parler à ma fille. Mmh.
sénateur. Comment vas-tu? Je vois comme c'est mené. Je prends pas ça pour un compliment. Prends pas ça non plus comme un blond personnel. C'est le régime pourri dans lequel on vit qui est responsable de tout. C'est pas M. Van Malcourt qui va dire le contraire. Vous connaissez? Monsieur Veilleux, moi-même partageons une grande admiration pour les réalisations du régime national socialiste que le Führer Adolf Hitler a donné à l'Allemagne. Elle ne fait pas de doute que sous l'énergique conduite de son Führer, l'Allemagne connaît en ce moment des heures glorieuses. Qui ne sont que le prélude à des heures encore plus glorieuses. En raison de quoi, M. Veilleux n'a pas tort de souligner que beaucoup de pays pourraient améliorer le sort de leurs concitoyens en prenant exemple sur le Troisième Reich. Le Canada y compris, n'est-ce pas, M. Veilleux? On est en train d'y voir. Ayez confiance. Je vous remercie. Au nom de notre Führer. Et au nom également de Benito Mussolini, notre cher allié, pour qui vous éprouvez, il le sait, beaucoup d'admiration. Il sait? T'entends ça, Viateur? Si tu lâchais tes oies pour mes chemises bleues, il Duce entendrait parler de toi aussi. Merci bien du renseignement. Il sait! Il sait tout. Notre Führer aussi sait tout. Voilà un homme, monsieur le maire, que vous aurez intérêt à cultiver. Il a un grand avenir devant lui. Non, ben moi, je vais jamais être bien avec tout le monde. Hein? Oui. Évidemment. Alors, en ce qui concerne ma visite à Cormoran. Ah, mais comme je vous ai dit, je vais vous y conduire et vous présenter à mademoiselle Cormoran, comme vous le souhaitez. Bien. Je veux voir le curé. Il est là? Il est occupé. Rien que je puisse faire pour vous? Ça me dérange pas que vous soyez là. Après tout, l'aumônier des chemises bleues, c'est vous. Mais là, c'est le curé que je veux voir. Ma fille, Aglaé, a déserté le foyer familial. Oh, dans ce cas, c'est très grave, en effet. Suivez-moi, je vais vous conduire auprès de M. le curé. Bonsoir. Le record d'onctuosité vient d'être battu. En effet, Steinberg révèle que son savoureux pudding fudge au chocolat fait maintenant partie intégrante du grand livre des records grâce à son goût onctueux. C'est vrai. Le record de cette... Dormi. Mon père, il est pas venu? Non. Ta mère a appelé. Ah. Ce qu'elle a dit? C'est ma mère qui a répondu. Ton père est allé voir le curé. Pourquoi faire? J'ai rien fait de mal. Honore ton père et ta mère. As-tu oublié ton catéchisme? C'est pour que le curé te fasse un sermon que ton père est allé le voir. C'est pas juste que mon père me fasse payer pour les chicanes qu'il y a avec ton père.
Moi, Michigan, j'aime bien ça y choisir moi-même. Comme celle que t'as avec mon frère, par exemple. Il est barbu, ton frère. Il est barbu comme ça se peut pas. Il nous méprise, nous autres, les bailleux. Ben non, c'est des imaginations. Quelle heure qu'il est, non, là? Il est passé 9 heures. C'est maman qui m'a dit de te laisser dormir. Papa a dit qu'il n'y a rien comme le sommeil pour réparer les forces quand on a subi de grandes émotions. Que je vais faire, là, hein? J'ai plus de chez nous, puis mon père m'aime plus. Oh, moi non plus, je l'aime plus. Je l'ai. Je l'ai. Ça a du bon sens de se mettre dans un état pareil pour une simple chicane. Oh, je l'ai! Je l'ai! Bon, pleure si tu veux. Si ça te fait du bien. Mais moi, j'ai de quoi de mieux à te proposer. On va aller à Cormoran voir Mademoiselle Bella. Tu vas te mettre sous sa protection. Sa protection? Une façon de parler. C'est pas une sainte, mais presque. En tout cas, chose certaine, si ton père veut aller te chercher là, il va falloir qu'il montre une patte de velours. Viens, on va passer par en arrière. Le curé veut te voir. Mais dites-y ce que vous avez dit. Clément, je suis tout à fait capable de m'adresser à Flamand Bellavance de mon propre chef. Je veux ma fille! Sinon, ton bureau, je le passe par la fenêtre, puis toi, par-dessus le marché! Calmez-vous, monsieur Veilleux. Vos paroles n'ont pas leur place dans la bouche d'un bon catholique. Le vicaire a raison, les menaces ne mènent à rien. Je peux très bien m'entretenir avec Flamand, s'il a la bonté de m'inviter à monter chez lui et à m'offrir un café que pourrait nous préparer Maureen. Maureen est à la clinique de Pacifique en ce moment. Et Flavie se fera un plaisir de vous servir un café, monsieur curé. Je le savoure déjà. Et vous, monsieur l'abbé, vous allez demeurer avec monsieur Veilleux, qui va nous attendre patiemment. Vous offrirez le sacrifice de ce bon café pour que la paix règne dans nos bonnes familles canadiennes-françaises. Amen. Assoyez-vous. Oui, mon petit sacripant, t'as beau faire l'innocent, tu perds rien pour attendre. Puis que je te voie pas rôder autour de ma fille avec des intentions malhonnêtes. Si t'as jamais vu comment d'un jeune taureau on fait un petit bœuf, moi te le montrer, moi. Monsieur Veilleux, taisez-vous. Menacer un jeune homme de le priver de ses moyens de procréation va à l'encontre de la parole du Seigneur. C'est malveillant de votre part de laisser entendre par vos paroles que Vincent aurait des intentions impures à l'égard de votre fille. Oh, vous savez, monsieur l'abbé, même avec les intentions les plus pures du monde, le Duce du Bas-Saint-Laurent comme beau-père à vie, là, c'est toute une sentence, hein? Voilà, plutôt la mort que cette vie-là. Nulle part. Comme Adelaïe n'avait pas de bagages, je peux pas savoir, moi, si elle est partie rentrer chez ses parents ou si elle est seulement allée se promener avec Flavie. Je te dis, Flamand, que la vie d'un curé de campagne n'est plus ce qu'elle a été. Voyons donc, monsieur le curé. Les enfants qui prennent la poudre d'escampette à cause d'une chicane avec leurs parents, mais c'est de tout temps, ça. Oui, peut-être bien, peut-être bien.
Mais notre ami Clément Veilleux, hein, ça, tu peux pas dire que c'est un modèle courant. Hein? Ah, non. Avec sa patente des chemises bleues. Non, mais quelle idée! Pourquoi aller chercher ailleurs ces modèles? Quand on a la faveur de vivre dans la province de Québec où nos hommes politiques, après tout, mon Dieu, ont une grande valeur. Ouais. Pour votre café, M. Curé, pour essayer de le faire, mais je vous promets rien. Un petit brandy à la place. Oh, très peu, très peu, très peu. Un petit doigt. Un doigt. Voilà. Merci bien. Un doigt. Un gros doigt pour toi. À la paix dans nos familles. À la paix dans le monde flamand. Ah, mon Dieu. Je te cache pas que je suis inquiet au sujet de Clément et de ses activités. Ce que j'entends dire par l'évêché, non, et par le chanoine tendre n'augure rien de bon pour les chemises bleues. Ah non? Le pape. On aurait jusque-là d'Adolf Hitler et du parti nazi. Ouais. Il s'apprêterait même à dénoncer publiquement le nazisme. Pourvu que Clément voie la lumière. Hein? Non, non, t'écris rien de ça, hein? Là, c'est pas le confessionnal, mais tout juste. Hein? Tout juste. Non, oh, mon Dieu, on allait oublier Aglaé. Aglaé? Aglaé. Oui. Est-ce que c'est une bonne idée? Mademoiselle Cormoran, c'est pas le genre à approuver ce que j'ai fait. C'est pas le genre à approuver ce que ton père a fait non plus. Puis il y a pas que Mademoiselle Bella, il y a aussi le docteur Cormoran. Mon père s'est rendu qu'il l'haït tellement. Le beau docteur hypocrite, comme il dit, qu'avant d'aller à quelque part, il se renseigne pour savoir si le docteur a des chances de se trouver là. Il l'haït. Je comprends pas pourquoi il l'haït tant que ça. Le docteur Cormoran, c'est un homme parfait en tout. Moi, je l'adore. Bon, on va pas rester planté là comme deux daines. On va aller dire à Mademoiselle Bella pourquoi on est venu ici avant que quelqu'un d'autre vienne nous le demander. Bonjour. On aimerait voir Mademoiselle Cormoran, si elle n'est pas trop occupée. C'est à quel sujet? C'est personnel. Mademoiselle Cormoran aime pas être dérangée pour des niaiseries. C'est pas des niaiseries. Aglaé s'est sauvée de chez elle et son père lui court après. Ah bon? Je vais voir. Restez là. Mon père court pas après moi, t'aurais pas dû dire ça. Mon père, il s'en sac que je sois partie de la maison. D'abord, il m'a jamais voulu. C'est un garçon qui voulait. Un gars, comprends-tu ça? Moi, je jurerais pas ça que ton père te court pas après. Ensuite, fallait bien que je dise quelque chose. T'as vu l'allure de la servante? Elle veut même pas nous laisser rentrer. Oh, je sais pas ce qui lui prend, celle-là. Elle prend toujours un air de sœur supérieure pour me parler. Après tout, c'est rien que la servante. Pas plus. Elle n'a pas à juger. Rien que la servante. C'est pas ce qu'on dit. Elle trouve peut-être que tu trouves son beau docteur trop adorable.
Puis tu dis de quoi que j'aurais pas dû dire? C'est pourtant pas un secret. Même si personne n'en parle jamais, c'est comme un secret de famille pour toute la paroisse. Dis-moi pas que t'es pas au courant. T'es bien innocente pour une belle avance. Vous autres qui en savez toujours plus que tout le monde. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Que, entre autres, que quand Mariette va faire le ménage dans l'observatoire, disons, après le souper, elle en sort seulement le lendemain matin. Que... Mademoiselle Bella est au courant? Ben, y a-tu de quoi qui peut arriver à Cormoran sans qu'elle sache? C'est des menteries. Rien que des menteries. Je vais en avoir le cœur net. Je vais aller voir le docteur en personne. Je saurai bien si lui, puis... Mademoiselle Cormoran me demande de vous dire qu'elle va vous recevoir avec plaisir. Elle a même ajouté, les enfants de mes amis sont comme mes propres enfants. On n'est plus des enfants. On est en âge d'être des femmes. Je me contente de répéter les paroles de Mademoiselle Bella. Je suis rien que la servante ici. Suivez-moi. Entrez, les belles filles. Entrez. Je suis contente de vous voir. À toi, Flavie, ta visite me fait toujours plaisir. Ainsi qu'à mon frère. Mais oui, doute-en pas. Pacifique pense beaucoup de bien de toi. N'est-ce pas, Mariette, que mon frère dit toujours beaucoup de bien de Flavie? N'est-ce pas? Mais avoue que c'est vrai. Votre parole devrait suffire à Mademoiselle Bellavance. Moi, le docteur me fait pas de confidence. Ah, Mariette me déçoit beaucoup depuis quelque temps. Je pense que j'aurais jamais dû la prêter à Viateur Bernier. Trop de cuisiniers gâtent la sauce, comme on dit. Mais peut-être que je devrais lui proposer de la prendre définitivement. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, Flavie? Le docteur apprécie sans doute les bons soins de votre servante. Oui, c'est vrai que des vieilles habitudes meurent difficilement. Faut pas oublier que si moi, je suis une vieille fille, comme ton père, Aglaé, ne manque pas une occasion de le dire à chaque fois qu'il rouvre la bouche. Mon frère est un vieux garçon. Et les vieux garçons sont très attachés à leurs vieilles choses. Leurs vieilles pantoufles. Alors, Aglaé, il paraît que t'as désobéi à tes parents. Les parents de Flavie m'avaient invité à souper, puis il a pas voulu que j'y aille. Oh. Et là, t'oses plus rentrer chez toi. Elle a couché chez nous. Je sais. Ta mère m'a téléphoné. La tienne aussi, Aglaé. Et ça vous surprend pas, j'espère. Non. Le docteur le sait aussi. Pacifique, pourquoi? Oh, à moins que vos pères lui aient parlé. Qu'est-ce qui va arriver, là? Qu'est-ce que je vais faire? Bien, on va y penser. Mais là, on va écouter de la musique. Assoyez-vous et je vais vous jouer un morceau de piano. Quelque chose de reposant et d'apaisant. Allez, assoyez-vous. Ah,
apercevoir, M. Sainte-Bruc. Il est avec votre frère. Et je vous assure, Wolfgang, que son ton était très menaçant. Nous prendrons tous les moyens. Mon feu m'intimidait par la foi de cet insignifiant personnage. Un crapaud qui veut se faire aussi gros que le cheval. C'est une grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'un bœuf. Excusez-moi, j'aurais dû savoir. Oh, de toute façon, ça revient au même. Le pouvoir d'Adolf Hitler s'appuie d'abord sur la jeunesse allemande, à laquelle il a promis un avenir de gloire et de puissance, mais aussi sur un tas de petits messieurs plus ou moins ratés, écrivains sans talent, intellectuels bornés, artistes sans imagination, journalistes à la plume mercantile. Toute une cour de petites grenouilles ambitieuses dont le bœuf Göring se fait le protecteur. Franz von Malkurt est de ceux-là. Historiens sans rigueur, ils se sont tout à coup très à l'aise pour réécrire l'histoire universelle dans sa nouvelle version nazi. Je méprise les hommes de cette espèce. Mais vous ne pouvez pas le dire sans risque. De très grands risques. Les risques sont plus grands à se taire. Et pourquoi ne pas demander la citoyenneté canadienne? Le chanoine de Tante pourrait vous faciliter les choses. Il est très difficile de changer de pays. Je l'ai déjà fait une fois, bien calmement. Je suis né en Afrique, au Tanganyika. Je vous l'ai déjà dit. Mais dans mon âme, dans mes fibres, je suis un Africain. Un Tanganyikais, pour être plus précis. Mais je suis aussi allemand. Je suis très attaché à la culture germanique, la vraie, la grande. Pas cette caricature grotesque incarnée par le pont germanisme et son discours délirant. Vous savez que la première chose que Joseph Goebbels a faite quand les nazis ont pris le pouvoir en 1933, c'est de s'assurer que toutes les familles allemandes aient un appareil radio. La force de ce régime vient d'avoir compris l'influence que pouvait avoir ce moyen de communication sur les masses. Plus grande que les journaux, puisqu'il n'y a même plus besoin de savoir lire. Songez au jour où on ajoutera l'image au son. C'est possible, vous savez. Les expériences ont été faites. Cela ne vous effraie pas, Pacifique? Je n'ai pas encore réfléchi à la question. De toute façon, la télévision, ce n'est pas pour demain. Surtout s'il y a la guerre. Et Bella, ma sœur Bella, quelles sont vos intentions à son égard? Avez-vous toujours l'intention d'en faire votre femme? Et le temps passe et les papiers ne viendront pas d'Allemagne puisque j'ai refusé de fournir toute l'information exigée par votre bureaucratie. Oh, j'ai téléphoné à Montréal, j'ai même parlé au consul en personne, le Dr. Kempf. Il m'a dit qu'en effet, mon attitude ne laissait aucun choix aux autorités allemandes. Vous n'aurez pas le droit d'épouser ma sœur. Du moins selon les lois de votre pays. Je sais. Pourtant, j'ai l'intention de m'unir à Bella jusqu'à la fin de mes jours. La question est de savoir combien de jours il me reste à vivre. Pourquoi? Vous ne vous sentez pas bien, vous? Vous êtes malade? La réponse à ma question ne relève pas du domaine de la médecine, mais de celui de la morale. Et de la politique, comme de bien entendu.
dernier est en bas, il demande à vous voir. Viateur, à cette heure ici, quelle drôle d'idée. Dis-lui de revenir une autre fois, là, je suis occupée. Bien, qu'est-ce que t'attends pour aller dire à M. Bernier de revenir une autre fois et de téléphoner avant? Il a téléphoné, mais vous avez pas voulu lui parler. Et toi, tu lui as parlé. Si c'est une autre permission à ton sujet qu'il veut, c'est non d'avance. M. Bernier n'est pas tout seul. Il est avec M. François de Malcourt. C'est un monsieur, un vrai monsieur. Tu pouvais pas le dire plus tôt? Mais évidemment que M. de Malcourt est un monsieur, un vrai monsieur. C'est un aristocrate. Son ancêtre a eu la tête tranchée par les sans-culottes lors de la Révolution française, comme la pauvre reine Marie-Antoinette. Hein? Je leur dis de monter? Non. Un aristocrate, on reçoit ça au salon. Dis-leur de patienter, je descends tout de suite. Mon Dieu, Pacifique, où est Pacifique? Il est encore là. Ah! Avec votre fiancé. Voulez-vous que je l'avertisse? Non. C'est à moi que M. de Malcourt veut parler, pas à lui. Oh, évidemment, quand j'aurai fini mon entretien avec M. de Malcourt, j'aurai pas d'objection à ce que mon frère vienne le saluer. Mais pas avant. Eh bien, qu'est-ce que t'attends pour aller les prévenir? Hein? Tu sais que c'est pas poli de faire attendre des gens. Il faut pas se jeter à la tête des gens comme si on avait besoin d'eux. Il faut savoir faire attendre, mais raisonnablement. Pas plus. Vous allez m'attendre ici. Au Aglaé, on s'occupera de ton cas après. Et touchez pas à mon piano ni à mon éléphant. C'est un cadeau de mon fiancé. Vous pouvez l'admirer, mais pas lui toucher. C'est un tout drôle d'être ici. C'est un honneur pour nous tous, à Cormoran, de recevoir sous notre toit un homme de votre condition, monsieur. L'honneur est réciproque, mademoiselle. Nous avons comme une admiration profonde pour la culture française et permettez-moi de m'en réjouir pour la culture allemande. Ah oui? Ah ben, vous savez, pour la culture française? Je savais pas que c'était à ce point-là pour la culture allemande. Monsieur de Malcourt veut me flatter. Ma connaissance de la culture allemande n'est pas aussi parfaite qu'il le laisse entendre. Quoique mon fiancé s'emploie à combler cette lacune. Attends, c'est le rôle d'un homme d'instruire sa femme. Enfin, sa future femme. On avait compris, Viateur. Est-ce un entretien privé que vous désirez? Je crois qu'il serait préférable, en effet. Ah bon? Ah ben, si c'est comme ça, moi, je suis pas le genre à m'imposer. Hein. Je suis assez gêné d'avance. Tu connais les airs de la maison, Viateur. Fais comme chez toi. Oui. Mariette va prendre soin de toi. Vous ne partez pas sans moi. Non, je vais vous attendre. À tout à l'heure. Ferme donc les portes en sortant. Et ce serait aimable de ta part. Asseyez-vous, je vous en prie. Pacifique! Viateur, qu'est-ce que tu fais ici? Viens, j'attends. Bonjour, monsieur Osnabrück. Monsieur le maire. Justement, j'attends un de vos compatriotes. Je voulais voir Bella. Monsieur de Malcourt. Ben, c'est un nom français, mais il est allemand pareil. Je ne peux pas tolérer que cet individu harcèle ma fiancée, c'est intolérable! J'ai fait quoi que j'aurais pas dû? Non, c'est rien, Viateur, oublie ça. Hein? Le Wolfgang. Il ne faut pas que von Malcourt se doute que nous épions son jeu. Cet individu mérite qu'on lui brûle la cervelle, rien de plus! Laissons-le d'abord étaler ses cartes. Toutes ses cartes. Bon. Monsieur, c'est fou, Pacifique. Qui me le demandait? Si tu m'expliquais au moins, Pacifique. J'espère que j'ai rien fait d'irréparable. Oh mon Dieu, si c'était le cas, je me le pardonnerai jamais. Non, oublie ça, Viateur. T'as rien entendu.
Rien. Je suis quand même le maire de la place, j'ai le droit de savoir. Non, mettons que j'ai rien dit. Ça m'empêche pas d'être inquiet quand même. Je vais envoyer Mariette pour te tenir compagnie. Hein? Monsieur Osnabrück est plus là au kiosque. C'est le maire Bernier qui a pris sa place. Ah, oh, le docteur non plus est plus là. C'est vrai qu'il est plus là. Est-ce qu'il est passé, non? À façon qu'il se dirigeait, il s'en venait tout droit à sa maison. Oh, quelqu'un! On dirait que t'as perdu un pain de ta fournée. Rien. Ouais, mais je commence à m'ennuyer de chez nous, moi. Manger une bonne claque de mon père, après tout, ce sera pas la première. Manger une claque de ton père, toi, tu connais pas ça. Les claques, c'est pas le genre de chez nous. On vous punit, on vous privant de dessert, je suppose. C'est son lit, c'est là qu'elle dort. Oh, je le sais. Quand j'ai remplacé la servante, je l'aidais à se mettre au lit. Comment ça? Elle est pas capable de se coucher dessus? Ben oui, mais pour les gens de son rang, c'est la coutume de se faire aider par les serviteurs. Si Bella arrive, ça va pas être une claque qu'on va manger, ça va être le fouet! Viens! Dans la chambre de l'autre bar est pareil à celui-ci. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ma parole, il t'a-tu empigeonné, le docteur Cormorant? T'arrêtes pas d'en parler? Qu'est-ce que vous faites là, mes beautés? Ah, vous demandez la permission à qui de droit avant d'oser allonger vos charnelles personnes sur le lit sans tache de la dame des lieux? C'est par étourderie que Flavie et Aglaé se sont retrouvés étendus sur le lit de Mademoiselle Cormorant. Pour cette unique raison, j'en suis certain. L'étourderie, une bien déplorable absence de l'usage de la raison, un lieu où la confusion prospère et qui peut parfois laisser croire comme probable des choses qui ne sont point et ne seront jamais. On était fatigués. Elles étaient fatiguées. Une excellente raison pour se reposer. Pourquoi pas sur un lit quand il y en a un à porter, hein? Vous vous demandez pas ce qu'on vient faire ici, monsieur l'abbé puis moi? Je viens te chercher, Aglaé, pour te ramener chez toi. Monsieur le curé a intercédé en ta faveur auprès de ton père, qui consent à te reprendre à la maison
malgré tes frasques. Ton père te pardonne, Aglaé. Et j'espère que tu en fais autant de ta part. J'espère que la prochaine fois qu'Aglaé sera invité chez nous, M. Veilleux sera plus conciliant. C'est une question que M. le curé a abordée aussi avec M. Veilleux. M. le curé a le don de ne jamais perdre de vue les détails importants. Viens, Glaï. À bientôt. Et toi, j'espère que c'est pas moi que t'es venu chercher. Non, je suis venu chercher mon Bessic. Il va pas rentrer tout seul à la baie d'Esprit, hein? Bon, ben arrive, l'aventure est terminée. Attends. Il a beau être parfaite, Bella, il reste que... Avec un lit de même, il y a des soirs d'hiver où elle doit pas rêver seulement aux anges. Toi. Ah ben, monsieur le maire. Ah ben, c'est une journée où il y a bien de la visite à Cormoran. Hein? On se croirait à l'hôtel de ville. moi, j'attends. Rien de plus, j'attends. Ah, vous avez pas de raison à donner. En tout cas, moi, je vous en demande pas, hein. Au revoir, monsieur le maire. Ça. Jusqu'au 23 février, les Jeux olympiques d'hiver d'Albi.